On va souvent faire des courses de bateaux dans les centres-villes et il est évident que les municipalités maintenant deviennent de plus en plus écologiques à juste titre. Et l'évolution de la compétition qui fait que nous-mêmes devons aussi faire des efforts de façon à faire perdurer notre sport mécanique et notamment nos bateaux. Et ce n'est pas pour faire plaisir. Il faut que tout le monde se sente concerné pour faire quelque chose de plus propre. Alors, nous n'avons pas inventé le système, mais nous l'avons mis en application dans le monde du bateau. Aujourd'hui, on est encore les seuls. Et évidemment, à chaque fois qu'on se déplace dans des villes comme aujourd'hui à Chalon-sur-Saône, et on fait plaisir à l'organisation et aux municipalités et on fait voir à tout sport motorisé qu'on peut y aller et faire du développement. C'est un apport d'hydrogène. On fabrique l'hydrogène et on ne le stocke pas dans le bateau. C'est-à-dire que aussitôt qu'on le fabrique, il est réinjecté à un moteur traditionnel en fait. C'est la même chose que de tous les moteurs en fait. Voilà. On a en fait une électrolyse. Des ions positifs et des ions négatifs. On va casser une molécule, en fait, l'oxygène et l'hydrogène, et on va en récupérer en fait un mélange gazeux. On repasse dans des filtres décanteurs et on va directement ce mélange en fait l'apporter sur la manche à air, en fait, au niveau du moteur. C'est un kit qu'on adapte au moteur de plaisance qui n'a jamais été fait. Ça a été monté sur des véhicules terrestres, mais jamais en nautique. Donc voilà, on est un petit peu les précurseurs. Mais la société Ecolion avec qui nous fournit les kits, bien sûr, il y a un marché important là-dessus. L'aspect hydrogène, ça ne nous apporte pas plus de puissance que ça. Par contre, c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, on est dans la partie écologique. Le but, que ça soit sur les 24 heures, sur le championnat de France, c'est un petit peu du mal. Les autres teams ont un petit peu du mal à suivre le pas. Les teams qui commencent à s'y intéresser aussi un petit peu. Bon, maintenant, l'aspect vraiment, c'est un gain de carburant qui est d'environ 25%, grosso modo, ce qui n'est pas négligeable, ce qui nous permet d'embarquer des réservoirs plus petits. Alors sur le championnat de France, c'est pas là où on va le ressentir le plus, mais encore une fois, c'est pour les 24 heures de Rouen, on fait des relais de 2 heures. Un kit qui est complet, qui va peser environ 3 kg, et ben, on part avec un réservoir qui fait quasiment 10 kg de moins. Le calcul est vite fait déjà sur le rendu. On récupère les gaz d'échappement à l'instantané pour en fabriquer pratiquement à 100% de la vapeur d'eau, donc un moteur écologique. On nous parle que d'écologie pour la planète et nous, on essaierait d'être un bateau 100% écologique. On l'est pratiquement, mais pourquoi pas mettre ça dans toutes les catégories et dans beaucoup d'autres disciplines pour que ça aille mieux pour l'écologie. Il faut d'une que les teams s'intéressent, les gens viennent nous voir, ils se renseignent de plus en plus. Et dans un second point, il faut que tout ce qui est organisation de course, la fédération, que ce soit national, international, même par la suite, pourquoi pas, peut-être force un petit peu le pas pour franchir cette marche et passer sur vraiment un système écologique. Bien sûr, VSI est partenaire de la fédération dans le développement et aussi avec le club organisateur du Rouen Yacht Club, pour justement faire évoluer cette possibilité de mettre ce système hydrogène sur les bateaux. Alors, vous dire que demain, en 2022, tous les bateaux seront équipés d'hydrogène, il ne faut pas non plus aller être trop rapide dans la démarche, mais de les aider à ce qu'on puisse avoir
des bateaux équipés de ce système, oui, complètement, complètement. La fédération est dans l'obligation d'aller vers l'écologie, les moteurs propres. C'est automatique et obligatoire. Si on veut vivre, c'est obligatoire.